remercié. Sois loué, sois glorifié ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang versé pour nous. Merci de ce que tu nous as tiré de la boue. Merci de ce que tu nous as lavé, que tu nous as élevé, que tu nous as donné le nom d'enfant de Dieu, héritier de tes promesses, ouvrier avec le Christ. Tu as fait de nous un royaume de prêtres, de princes pour célébrer ton nom. Nous offrons devant toi donc notre sacrifice de louange et d'adoration ce jour. Puisse ce sacrifice te soit agréable ce jour. Père, sanctifie-nous, purifie-nous ce jour par le sang de l'agneau. Et Seigneur, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Que ta gloire remplisse notre rassemblement ce jour, Seigneur Jésus, et que ta main puissante nous dirige. Et on dit que tu as envoyé ta parole pour guérir, que ta parole nous guérisse ce matin, que ta parole nous équipe ce matin, que ta parole nous prépare ce matin pour produire des œuvres bonnes pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous ne sommes rien, rien, rien sans toi. C'est toi qui fais que nous sommes quelque chose. Alors, Seigneur, prends le contrôle de l'enseignement de ce jour. Prends contrôle total de ton serviteur, de son interprète, de tout l'auditoire, Seigneur Jésus, et que tout concourt à la gloire de ton nom. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence, donne-nous des cœurs humbles, des cœurs effacés, réceptifs, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir avec enthousiasme, avec respect, avec considération, révérence, ta bonne parole qui nous transforme et qui nous aide à produire des fruits dignes de toi. Seigneur Jésus, béni soit ton nom, loué soit ton nom au milieu de nous. Jésus, gloire à ton nom. Nous voici, nous sommes présents. Nourris-nous ce matin. Nourris-nous ce matin. Nourris-nous ce matin par ta parole et ton esprit. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci encore d'être là ce matin. Sans tarder, j'aimerais remettre la parole à notre frère Sénat pour qu'il nous conduise ce matin dans l'enseignement que le Seigneur a apprêté pour nous. Amen. Amen. Remercions le Seigneur qui nous a conduits durant toute la semaine. Nous voici encore devant ses pieds pour encore prendre la parole de Dieu, encore nous nourrir à ses pieds. Donc, nous allons entamer aujourd'hui un thème. Et nous allons prendre un peu de, peut-être, de temps. Nous allons, après, on va nous donner la structure, comment nous allons évoluer avec ce thème. Mais ce qui est important ce matin, c'est que nous allons commencer l'introduction. Le grand thème, c'est grandir dans l'Église. Tanya ga yenyebena achile. Chochime.
Okay. Actually, I'm Miami. Okay. Okay. Quand nous prenons ce thème, c'est grandir et l'Église. Ces deux facteurs vont retenir notre attention durant tout au long de l'enseignement. Nemye sonya ya enyati ameve eleme enye chichi achi ple le hame donc ewo ezunya ameve e dami ya memi ya no le nufiafia ya me. Ok, pour l'idée générale, dans cette étude, nous allons étudier l'Église, le ministère dans l'Église et découvrir comment, au contact d'une Église, une personne peut grandir à l'image, grandir jusqu'à maturité à l'image de Christ. Eh, le nous fiancions à mes, miel et ya aponuchonu inenye hame, le iwachi le hame me. Eye achi meni ba achi le kuku wa wakpo gakewa achi le bogbome adu akpare le hame hame. Comment l'Église peut nous donner ce qui est nécessaire pour assister les autres aussi à grandir? Eye mi akpocha bena nuye e hame a latem awo a akpere amenti bena watem achi. Nui hamia wo nui miatinwa hole hamia bo be mio hamia tinwa pira ma denti la me ha wachi. Donc l'objet de cette étude, c'est-à-dire tout ce que nous allons dire, la vérité centrale de cette étude, c'est que l'un des rôles de l'assemblée locale, de l'église locale, est d'encourager la vie spirituelle des croyants afin de les amener à maturité. Eye mi a po dodasi nenye e hame atoenye be akpere e hame vionti bena watem achi eye wachi le bogbome. Ok, nous allons nous focaliser sur les objectifs suivants au cours de ces enseignements. Comme c'est aujourd'hui l'introduction, je suis dans pour le moment l'enseignement général, donc les objectifs suivants seront notre point focal au cours de cet enseignement. Doda si yo tadojinu yo ohiale nfianfian ya menu sonsron ya mea ma ane ko aleke ba kiki ko mie jem sonsron agome ko ma ane leke. Ok, ma ga pelenti vire pour moi. Les nous serons yo quelques milliards ou mais tarudinu yo miaklodo wenye yaogona. Nous allons à la fin de cette leçon que nous allons avoir, nous devions être capables de mesurer ce qu'est l'Église selon la Bible. Les nous fiancions abe nous alors miami dola atenogbe ça c'est bien à blanc nous yé. Hamea, elle a été à DJ, alors à Derego. Nous sommes sur la rue, nous sommes nous serons à mesure de dire ce qu'est l'Église selon la Bible et de ce que font les Églises pour faciliter la croissance des membres à l'image de Christ. Et mien thème à nos besoins, mien Gigi allez Hamia, la thème Hamia là à wo, bene wakpede Hame vio bono wachi, eye wachi. Le Bible avait ngonglon. Ok. De décrire les principes sur lesquels s'appuient les églises locales pour rechercher, encadrer ou éduquer les croyants. Watengwa blon, lui qui est
Hamia, tu as mis Yogi Hamia, tu nous fais fier Yogi Hamia, tu es Amérique Audo, Bena Watemakolo, Wachile, Maume, Watemachile, Yesume. Et d'expliquer le ministère, Doro Yole, Hamia Meha, Yeni ministère, selon la Bible, Doro Yole Hamia Me. Et de voir la tâche, le rôle des dirigeants, des leaders, dans l'église. Yena hame megao be dodasi le hame ame. OK. Comme plan général, nous allons parler de l'église, nous allons aussi parler de la croissance spirituelle et le rôle des leaders. Eye mia ponfo do hame a ple de wa chile gbogbome. Eye dodasi ne pon kumena hame megao. OK. Nous allons aujourd'hui parler spécialement de l'église. Donc dans l'introduction, nous avons posé deux questions. Qu'est-ce que la croissance spirituelle? Eye megblebe mi a ponfo ndiare nui nenye hame anti. Wa mejibe ma ne mila wo bia bia bena de nu leke wa chile gbogbo me do ma chile gbogbo me are ma a wo bia bia 20. OK, je me suis posé la question, donc ce n'est pas une question pour répondre. Je me suis posé la question, qu'est-ce que la croissance spirituelle et quelle est sa relation avec l'église? C'est la question que je me suis posée pour parler de l'église ou parler de l'enseignement en général. C'est cette question là que je me suis posée. Nyentome wo biabia ya babia eve ya ona dokwenye be ade nufiafia ya ntia biabia onye be na ale ma wo leke watema achile gbogbomedo chichile deke wa achile gbogbomedo eye dodasi kae le hame asio maga kwere ntule fia vile nu kae ni chichile gbogbome ye kachacha kai lo ple hame o nu chile gbogbo re kachacha kai lo ple hame i me miel su bo su bon le lanti enye babia o me veille ke mo le propre de meme mais comme la famille comme dans une famille les gens la façon dont la famille est organisée la façon dont la famille nous éduque c'est l'image là que nous aurons quand nous serons grands. C'est de la même manière que quand nous sommes dans une église, l'église aussi façonne notre manière de croître spirituellement. Nemi chopome be pode nu ale emie non apome me eye mie china le pome me a nene ma tutu emie te so sople le ogbla le hamea le emie no hamedo alo le hamea ya ti le hamemedo. Donc, revenons à notre premier point de ce matin, qui est l'Église selon la Bible. Notre premier point, l'Église selon la Bible. India, miayi, akpagbantoji, ye le nyebe, hamea le Bible abe, ndodo, Bible anu. OK. Nous allons lire dans Matthieu 16, verset 18. Emiarlen le Matteo, ta wiaden, le meame wieni. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. 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 Matthieu Pagbanle, Tawe Ade, Kupi Weni. Eye nye hamele ekblom na obena, wenye petro. Eye nenekpe gbajasi adi matu, nye hamelado. Eye chepe kple agbo ha mele eji duge o. Amen. Amen.
OK, cette partie, nous prenons que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je prends seulement cette partie-là. Miel le col est nous que le yame akpaya bena yesu le globena yatu yebe ha mea. Je bâtirai mon église. Ça veut dire que Jésus a dit qu'il va bâtir. Ebe yele jatu yebe ha mea egome nyibe yele jatu. Yele jatu. Donc nous voyons qu'il y a quelque chose qu'on appelle église parce que Jésus a dit mon église. Donc il y a quelque chose qu'on appelle église. Qu'est-ce que l'église? Nous kenye hamea. Est-ce un édifice où les chrétiens se rendent les dimanches pour le culte? De ho tu alo te fe o tu dare ko e Kristo ho se to wa yifima kosira gbogbo e voa. Est-ce que c'est une organisation faite par les personnes qui croient en Jésus-Christ? De wonye habobo ye ameyo o amedo leme ameyo ho yesu ji se a o leme. Je m'arrête là-bas. Donc, je veux que quelqu'un puisse m'aider à définir ce qu'est c'est que l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Je vais prendre au moins trois personnes, trois définitions. Donc, ouvrez vos micros et répondez-moi. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Eh bien, bien, elle est là, à Messia, bébé. Nous caignons Hamel. Nous caignons Hamel. Qu'est-ce que c'est que l'Église selon la Bible? La Bible avait gommé de noire, le kémiatem a de hamea, hamea gommé de. Il n'y a pas de volonté. Amérique me le la hogbea. Daphilo, pour nous aider, qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est cela. Alléluia. Amen. Ya ten globe hamenya Kristo to ma fufu fe ise kolola de ano anu eye wodo ma dodo ye ju zonado okay ma glo mi gugo okay merci. Notre staff, vient d'expliquer l'Église selon la Bible. Elle peut dire que l'Église est un lieu où les chrétiens se rassemblent et ils ont un leader ou bien à leur tête, Dieu a placé un homme de Dieu pour les diriger ou bien pour les enseigner. OK. Une autre personne? Qu'est-ce que c'est que l'Église? Nous kanye hamel na me bubu ba hopia. Aujourd'hui, je suis avec les femmes pour Bijou. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bijou. Je viens d'entrer en ligne, Freddy. Qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est la question que je te pose.
que c'est que l'Église? Mm-hmm. Comment on peut définir l'Église? C'est un ensemble de personnes réunies pour servir Dieu. Mien dada le globe yatem ade hame ame gomebe ame ame o popu la fire be yo asubo mau. Ok, Jack Wagwe, qu'est-ce que c'est que l'église? Allons rapidement. Pourquoi? On va à l'église, on va à l'église. On ne peut pas définir cela. Wagwe. Jacques. C'est le diacre, ça. Je sais que c'est lui qui utilise Jacques. Donc, Naka nous aide. Vous parlez de moi? Nous parlons de Diacre Wagbe. Ok, s'il n'est pas prêt, nous allons demander à Rachel de nous aider dans la définition. Même ça, bon, il y a Rachel, venez bien, akpedemianti, adenui gomenye hame anami. Ok, je vais essayer. Je peux dire, l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont, je peux dire, qui se sont mis d'accord d'abord psychologiquement à être sous un même leader et à louer, je peux dire, à louer normalement en tant que chrétien, Dieu, un même Dieu. Mais de nos jours, nous avons plusieurs types d'églises. Parce que l'ensemble de, des gens, quelque part, en train de vouloir louer, je peux dire, c'est un même ou une même entité. Donc, ils sont en train de louer un même Dieu en leur sens. Donc, merci. Il y a des gens qui globent, il y a des gens qui globent, ameobe pupopo, le tamedodo de kaji, bena yua subo, mau. Ok, merci à vous tous pour vos interventions. Je vais encore appeler quelqu'un à Nice, c'est nouveau job. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Merci beaucoup, Président. C'est une classe de test ce matin. Ok. Pour moi, l'Église est un ensemble, comme l'a dit la plupart des gens, c'est un ensemble de personnes partageant le même dogme, la même direction, les mêmes dogmes, et les dogmes peuvent être plusieurs, les mêmes dogmes spirituels ou religieux, suivant le même maître. Mia fofo chambe ya globe ame obe pupopo eye neneba meoa ole a plola de kabe gome eye tame dodo de kale o sibena yo asubo le gome. Donc c'est la courte définition que je peux donner à l'Église. Ok, pour le frère Anissé toujours, quand Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 18,
je bâtirai mon église. Donc, il va bâtir les hommes qui auront le même dogme. Non, je bâtirai mon église ici. Est un, comment on l'appelle donc? Comment vous appelez cette expression-là? Ce n'est pas de la, il ne s'agit pas de la construction matérielle de l'Église. Il s'agit de la construction spirituelle, sinon du rassemblement autour de sa cause. Je bâtirai mon Église ici, sentant comment je mettrai les hommes ensemble pour construire mon Église. Parce qu'au moment où il était intervenu, beaucoup ne l'acceptaient pas comme le Messie, beaucoup ne le reconnaissaient pas comme le Seigneur, celui qui est venu pour celui que tout le monde attendait. Mais il a dit qu'il bâtira son Église, qu'il la construira. C'est qu'il mettra beaucoup joindront la cause pour construire l'Église, en fait, pour atteindre cet objectif. Comment appelle-t-on, de groupe là. Si, c'est ce que moi je perçois par là. Ok, j'ai voulu seulement te bousculer ce matin. Merci pour votre réponse. On va interpréter ce que vous avez dit. Ne ma le fufu be mia fufu le globe fi yes fi a yes le globe ya tuye be hamia. Elle est là, à me ouvre les jambes, à popu, elle va tuer le bobo, me va pâji. Ouais, y a tem à globena, Jésus le globe a tué, ben hamé, monier bedo, hobe nyabe le globe, à me ouvre les à popu, elle va à le bobo, me va pâji, à tuer doa, elle ben nyabe Jésus le globe, oui y a tem à globa, elle ma. Ok, merci à vous tous. Je vais seulement. Si Madame Salomon peut nous résumer ce que les gens ont dit, qu'est-ce que l'Église? Est-ce qu'elle peut nous dire quelque chose sur ça? Ce serait bien, on va évoluer. Madame Salomon. Ok, vous voulez que je résume ce que les gens disent ou bien... Non, vous donnez ce que c'est que l'Église. Ok. Je vais dire que ce que j'ai déjà entendu, un groupe de personnes, un ensemble de personnes, et le frère Anissé qui vient d'ajouter un ensemble de personnes et qui suivent les mêmes dogmes, et il a apporté quelque chose de plus. Vous pouvez continuer pour interpréter, madame. Yeah, ma. Mie dada chambi ya globena, hame ya, ya tem a globena, yenyi ame obe pupopo, eye mia fofo, yine pon pova ififia, e globe ame obe pupopo, le nonomereme. Bon, ce que moi je vais dire, à part tout ce que les autres ont dit, c'est vrai que quand on parle de l'Église, on parle des hommes, c'est un ensemble, un regroupement de personnes. To vona yamoyo gbagbola icha yagba tegblo yag tegblobe ameobe pupopo. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Vamen notera fima. Parce que selon certaines définitions, par exemple, un groupe de footballeurs qui se rassemble, ce n'est pas une église, par exemple. Et il prie, ce n'est pas une église. Le point que je voudrais faire par rapport à tout ce que les gens disent, c'est qu'une église,
en réalité selon la définition biblique? C'est des gens qui croient en Christ. Qui croient en sa mission, pourquoi il est venu, et qui sont sauvés. Et qui sont nés de nouveau. Et qui s'assemblent pour servir Jésus. Et qui sont ensemble pour être édifiés ensemble, pour grandir ensemble, et tout cela. Donc, ce n'est pas un terme aussi simple à définir, parce qu'il y a beaucoup de choses, quand on parle de l'Église, il y a beaucoup de choses à considérer. Eyemi dada so wonu le globena enu sugbo o donu o nono me ne wa te so de ha me wa globena yesu ma u pe ha me enu sugbo donu me e me le bobo de bena ya te ma de gome le kepo. Donc pour me résumer, une église c'est un ensemble de personnes qui croient en Jésus et qui croient en sa mission de salut et qui sont véritablement sauvés et qui sont ensemble pour le servir et qui sont ensemble pour grandir ensemble. Dire au moins un verset, je vais parler de un Colossiens, Colossiens chapitre 1, et je crois le verset. Le verset 13 ou 14 qui dit que Dieu nous a transportés des ténèbres pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que des gens qui ont quitté le monde, que Dieu a délivré du monde du péché, et les a rassemblés afin qu'ils servent ensemble. Je vais vérifier le verset. Déjà, ah, c'est ça. Donc, c'est le 13, ma mémoire m'est un peu fidèle. Donc, c'est ça. Donc, une église, c'est plus qu'un rassemblement. Et je voudrais tout juste ajouter ce verset pour appuyer ma pensée. C'est plus qu'un rassemblement simple. Et c'est des gens dans la vie desquels Dieu a fait une œuvre de salut. Et qui les a rassemblés maintenant pour sa cause. Yesu be do ibe ba wa enawo dede popo eta e dewo yesu dewo do ra le viviti me va keke libo wa e ya tem ya globena ewu e lengona be haboboko fa habobo ye ni yesu o le zonde yesu alo le subo yesu. Ok, merci, je m'arrête là-bas pour Ok, merci beaucoup pour alléluia. Tout le monde, yeah. Voilà, merci beaucoup Madame Salomon pour sa définition. Vous voulez poser une question? Oui, je fais un petit complément à ce que ce qu'elle a dit, parce que sa fin est un peu plus exclusif, parce que avec sa fin, c'est
c'est à croire que les chrétiens isolés ne font pas partie de l'Église parce qu'il n'a pas lieu de rassembler. Et si on veut être plus pointu et donner la définition spécifique par rapport à la chrétienté, on dit simplement que l'Église est l'ensemble de tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus et qui s'engagent à le suivre. Et non, rassembler veut dire se mettre ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la petite nuance que je voulais apporter à sa définition, si on veut être plus spécifique et rester dans le cadre chrétien. Dans le cadre chrétien, ce serait l'ensemble de tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui s'engagent à le suivre jusqu'à leur mort. Je vous remercie. Merci. Ok, interprété. Mi a fofobe, nyan ou soukbaba male popou vire. Mi a fofobe, yebe ya so, nyan vitu kuire, ya ne ya de nyan vire le mebe, mi a dadave, ndodo yebe gbolonva ye a. Ebe nyan vwa gbolonva lebe, menye amobe pou popo de dekpo, le vwa anwa de gombe hame a, le Christo be, Christo, Yesu Christo be hame a, ya ya gbolonva quand on a mauvais pour popo gaké voa odo ta dojinu OK, on va continuer. Nous remercions tous ceux qui sont intervenus et qui ont apporté une définition. C'est vrai, ce n'est pas facile de définir, nous le disons très souvent, mais ce n'est pas aussi facile de définir ce que c'est que l'Église. Mais OK. Mais d'après me yokata oponu va amoyokata oponu vai. Be mi egblone kokobe Yesu Kristo be hamea. Akeva menye nu bobo ko enyi be mi atem ade gome. Hamea gome lekeo. OK, nous retenons ceci. L'Église littéralement parlant, dans le mot grec, veut dire ecclésia. Mia a blobena le grec tobe grec allô? Grec bémia. Grec bémia. Hela tobe. Hela bémia. Hamia. Yesu Christo be hamia be gome de denye. Ecclésia. Ecclésia. Ce qui veut dire littéralement un groupe appelé hors du ténèbre, hors, ce qui est appelé hors. Egomé nyevena ame ame hapo pou pou de keo au déto. Donc hors du ténèbre veut dire hors du monde. Au délé hiriame. Et pour la lumière du royaume, pour la lumière. Ça va keke libo. Donc, si nous tenons à cette définition littérale, nous pouvons dire que l'Église, dans son ensemble, c'est le groupe ou bien l'assemblée de ceux qui ont accepté l'appel de Jésus-Christ de sortir des ténèbres et de venir à la lumière, de venir à Jésus. Ça, c'est un. Ça, c'est ceux qui ont accepté l'appel pour quitter les ténèbres et venir à la lumière de Jésus. C'est comme ce qui est écrit dans 1 Pierre 2, verset 9. Si quelqu'un peut nous faire la lecture de 1 Pierre 2, verset 9. Si on peut projeter ça rapidement. 1 Pierre 2, verset 9. Abale ongla de Petro pe agbale ba tave pupu ya me asire kame. Et vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Petro Pagman, Evelia, Petro Gban, et Tavi, Bukui Amasireke. Kemia, Wenye, Didi, Metian, Siala, Fianuno, La Nyenye, Juko Kokwe, Juko Sinema, Un Toto, Bena, Mia, Degbe, Fon, Amesio, Micho, Viviti, Melava, Entope, Nukunu, Keke, Lilagbo, Pe, Nutu, Owo, Afia. Amen. Amen. Vous êtes appelé, celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ceux qui sont appelés, qui sont une race élue, qui sont un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est ceux-là, ceux qui sont appelés Église. Eye o dati yo o je Yesu yo me yo vebe kekeli agbo amema o yo le glona be wa wenye jukoko ko di ko tiantia e ti amo la nyenye o yenyi hame aye o yo o atem ayo be amoya onye Yesu be hame. OK, je veux comme projet également Ephésiens 1 verset 22 23. Dans Ephésiens 1, verset 22, 23, il est écrit. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Merci. 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 Eye wocho nuo kata de epe alote. Eye wocho eya kedo nuo kata feta hena hame. Sinye epe nutila. Eye amesi yo nuo kata fu le wokata mela fe gboso sola. Amen. Amen. Donc, nous retenons ici également une définition de l'Église. Efi ye hamia tem akpo e hame ave gomedede. Qui est le corps de Christ. Parce qu'on dit qu'il est le chef suprême de l'Église qui est son corps. Ça veut dire que l'Église est le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, nous dit 1 Corinthiens 12, verset 27, si on peut projeter ça aussi. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres. Mais le correct top est à Gmalegba. Corinthe Gba, ta ouyevé. Pour que blabe voit ton ebena, mienye ebentila. Eye mienye epewe ha ebe ha me ha me mienye be ha me. Il faut aller à 27. Voilà. 27. Celui qui est projeté affiche verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous avons déjà dit que Christ, l'Église est le corps de Christ. Et le verset 27 de 1 Corinthiens 12 nous dit que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes, vous êtes le corps de Christ. Donc, nous sommes l'Église. Et les membres de ça, c'est-à-dire le corps a des membres. Et nous sommes aussi les membres, chacun de sa part. Peut-être quelqu'un, madame Atichoki m'interprète, peut-être est la bouche de Christ. Moi, je suis la main de Christ.
le pasteur est le pied de Christ, et quelqu'un, c'est-à-dire tout le monde représente quelque chose pour Christ. Nous comprenons comme cela. Pourquoi blâme vous André le glonamibé? Et mien, yesu ventila. Yatuma amedea enye afo. Et amede, anyet, amedeneta, amedenye nkuvi. Kwa mio kata mie wodeka eye mie zut Christo ventila eye mie nye Christo behamia yema. Donc tout croyant, tous ceux qui croient et qui ont accepté la lumière, donc nous avons l'appel de Dieu de quitter la ténèbre pour venir à la lumière, sont constitués le corps de Christ et c'est ça qui est appelé Église. Amesia mene ho Yesu jise eye wolo wo vueme eye ova Yesu Christo boa. Ezu Yesu Kristo be hamea eye mi okata mi ezu mi nye Yesu mi le Yesu be hamea me allô ya ekwema. OK, nous allons aussi parler du temps. L'église a commencé avec la Pentecôte eye mi apo. Et l'Église continue jusqu'à le retour de Christ. Après le retour dans le millénium, on ne parlera plus d'Église. Il est sous Christ au Fiadoudou et après le café Fiadoudou, il est au Bible la même mère. Et avant cela aussi, avant, dans l'Ancien Testament, avant ça, il n'y avait pas, on ne parlait pas d'église, mais on parlait du peuple de Dieu. Mais ici, nous parlons d'église, nous parlons de ceux qui ont accepté l'appel, ceux qui sont appelés hors, ceux qui sont le corps de Christ. Si nous prenons la définition de l'Église comme corps de Christ, cela indique que nous tous, nous sommes différents comme différents membres du corps de Christ et nous sommes unis à ce corps. Ce corps, nous prenons comme le corps humain et nous sommes les membres et nous sommes unis à ce corps-là qui est le corps de Christ. Nous sommes, et Christ est ce qui est le plus important. Christ est la tête. Christ est le, c'est-à-dire celui qui coordonne, celui qui est le chef de ce corps. Eye inega wenye be Yesu Kristo enye ta eye le tana ntil nwa ko mienya aloze ko mienya. Ça veut dire que c'est lui qui commence. Eye le degbe. Donc nous sommes toujours dans la définition, mais nous expliquons ce que c'est que le corps de Christ et comment ça fonctionne. Nous allons voir quelques caractéristiques du corps, d'un corps, c'est qu'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas un membre du corps qui est indépendant. Il n'y a pas, tout dépend du corps, tout membre qui est lié, qui est accolé à ce corps-là, est dépendant. Il n'y a pas d'indépendance. Caractéristique. Niatem aglovena alozeo nku eto afo kata amerikame ledo kwisio. O pata o lede ntilantie ko
Et ceci, nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 12, versets 15 et 16. Et à mi temps pour le corotel. Ban, corrente toba ban le ban ta wieve. Et le mien me wiaton, soy amo wiade. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Amen. Merci. Donc, ça veut dire qu'il y a, corrélation, il y a pas indépendance entre les ces membres. Elle défie à Kobena, Wokata ou le duol ou Doro Ju, Amerema Globe, ya le vo, allo ya y de da gout. Il faut aller au verset 26 aussi du même chapitre, verset 26, verset 27. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça veut dire que nous sommes unis. L'Église doit être, l'Église est unie. L'Église, ce qu'on appelle Église, est unie. Et y a le globe, ne américain le peufou, américain le peufou, et ne américain, Odo bubuinti ya, hame akatan, américain quoi, be miokatan miezu, Amédéka l'aide Jésus Christ onti. Mais nous ne sommes pas seulement unis, indépendants, mais aussi il y a la diversité. Nous avons la diversité. Ito vovo namionero yeni diversité. Menyebe mié elle de camion patami le de kankume. Ito vovo namionono gakevo amiokata mié le de kan le Jésus Christ obenti lame. Et nous trouvons le verset 17. Ça parle du verset 17 au verset 20, ça parle de cela, la diversité des membres. Nous sommes, par exemple, ce que nous venons de lire a dit, si le pied, si la tête, si l'œil, si l'oreille. Donc, ça veut dire qu'on opère différemment. On est différent, mais on est uni par quelque chose qui est plus grand, qui est Christ. Eyo eto eyo afo wa mia okata mietovo vovo toto le mia me mesia me kuebe do gakevo mia okata Yesu Kristo a eye ele mia okata popu do yebentilame. Ici on dit si tout le corps est l'œil, où serait l'ouïe? Où serait l'oreille? C'est ça l'ouïe. Si tout le corps est l'oreille, l'ouïe, où sera l'odorat, la langue, qu'est-ce qu'il va sentir, qu'est-ce qu'il va goûter, les choses. Donc, il faudra avoir l'ouïe, il faudra avoir l'odorat, il faudra avoir le pied, il faudra avoir pour former un corps. C'est ça. Nous sommes différents, il y a la diversité, mais unis pour faire un corps. Venez tôt, mais tôt de cahier l'aide. Fikae ade late webe fika ade late webe dolo fikae ngoti late webe dolo nenema e mio katamie le vovovovo kakevo amesiame le eto kudo ngoti kudo afo kata o le jule de ka le Yesu Kristo bentilambe eye o le ok, ils sont aussi solidaires entre eux, ils sont solidaires, il y a la solidarité eye o le ju. Mon frère, il faut en même temps aller au verset 21, verset 20, 21. On peut lire. Oui, 20, 21. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai
pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Amen. Yeah. C'est ça qui montre la solidarité. L'un ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de l'autre. Nous allons voir ça un peu. Je vais prendre le temps à expliquer ça peut-être dans l'étude prochaine. Je vais expliquer ça, comment fonctionne vraiment le corps et qu'est-ce qui commande l'autre. Et nous allons voir vraiment que l'un ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de l'autre. Donc, il y a la solidarité, il y a l'union entre les membres, le fonctionnement des membres. Et il y a des filles à l'aïe un coup et tôt, ple a fo ngo ti o kata o le de ka eye o le Yesu Kristo ye o kata o le wodoa eye a ele de fia ko be a fo matema globena ye mehia nku o eye etoma globena ye mehia ngo ti o kata o le le Yesu ti le de ka wo wo me ne yi ya o vale yi nfia fia kosira yo gbona me a ma katem a choga me a de nu ya go me nyire Tous sont honorables. Toujours le verset 23, verset 24, du chapitre 12 également. Verset 23, verset 24 nous montre que l'Église, les membres de l'Église sont tous honorables. Et watewa globe asi hoho de kale wokata wasi hame ame yokata le hame ame odua si hoho ono unti. Odua si hoho ono unti. Rachel, il faut nous lire cela. OK. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquait. Amen. Ils s'entretiennent pour honorer ceux qui sont moins honorables. Until nous avec quelques caractéristiques de l'Église que nous venons de montrer, mais nous allons continuer. L'Église est aussi dans la Bible. Nous pouvons, comme nous avons dit la Bible, nous pouvons dire que l'Église peut être appelée aussi la maison de Dieu. Et les Bibles avaient gommé des noix, bien tellement globé et hamia, watema de gommé ben yema oube affirmé. Jacob a dit quelque chose. Fait, oh, ici est la maison de Dieu, on l'appellera Bethel. Jacob Bologna debe fia enye Yehova va peme eye wana enkobe wa yuebe Bethel. Quand il est parti et il est revenu, il est reparti là-bas pour l'adorer. Eye otro yifima ve subo. Donc dans les expressions que nous utilisons, l'Église est aussi appelée maison de Dieu. Eye wat miatem anegome de debe e hamea yo ayuebe maube apeme. Maison de Dieu, ça veut dire que toi-même qui es l'Église, parce que nous avons déjà vu que nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire que tu es la maison de Dieu. Me mie kueva yibena mie wenye Yesu Kristo bentila wa mion toha mie amegbeto mie nye maube apeme. Nous sommes, et Paul peut dire que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Paul globena mi menye bena ma upe gbogbole mi amea eye mi enye ma upe gbogbokokwebe afia. Ça veut dire que nous sommes l'Église et nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu.
la maison, l'église peut être appelée maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Et on doit respecter. Vous pouvez noter 1 Timothée 3, verset 15. On peut nous afficher cela. Nous devons lire tout. On peut nous afficher 1 Timothée 3, verset 15. Timothée, pas Balegba, t'as ton. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Il faut savoir comment te comporter, comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église. Donc, maison de Dieu, qui est l'église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, ça nous montre clairement qu'il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Il faut savoir se conduire dans la maison de Dieu que tu es et qui représente aussi là où on adore. De atema globena fia ole globe de menya bena maube apeme ade dodolia dodol lentia do dol odola a anyale la no agbedo a no agbe eye adebubu maupe afe tiro elabe wuntua maupe afe nenye wuntua nye maupe hamia kwa edola adobubu enti eye nyatepe kule nyatepe dola ano nyatepe me. Ok, mama, il faut lire un peu pour elle pour qu'elle puisse avoir les mots corrects, parce que des fois c'est ce qui nous aide. Correct ou pas mal. Oh, dis-moi, tu pas dans le grand temps et t'attends, coucou, oui, attends. Que ne m'est-il à Nila, ne n'a n'a allé si Jéhobé, n'a zon le maoupe après, signé maoupe, fait à signé maoupe, bela fait rame, ple n'a te fait, fait sorti, ple gomedo à Nice Saint-Lame. Amen. Amen. Ok. Et aussi, dans la maison de Dieu, il y a la gloire. La gloire doit lui être rendue. On doit rendre la gloire à Dieu dans la maison de Dieu. L'église doit, tout doit être en accord avec sa sainteté. Aussi, dans la maison de Dieu, tout doit être en accord avec la sainteté de Dieu. Et le maupe hamea egbe do jula nani be waso kokwenyenye ano kokwenyenye pagbe wano cho ano no kokwe. L'église, autre point aussi, c'est que l'église est, quand nous fouillons la Bible, on appelle aussi l'église l'époux de Christ. Eye le Bible abe nemie kwa Bible amea ha mea o de gomebe ni Yesu besron ngbetosron. Nous avons déjà parlé l'église comme appelé ceux qui sont appelés à sortir de la lumière, l'église comme le corps de Christ, l'église comme la maison de Dieu, l'église comme l'épouse de Christ. Nous sommes sur l'église comme épouse de Christ. Mie de gomeva ibe hamia wa yu ebena ameyo olon oho yesu se yesu jise eyo ojo le viviti meva keke ligbo yesu hamia mia tem ade gomeva enye yesu kristo bentila eye hamia eye mia gatem agbo mia agbaglo bena enye yesu ben gbetosron. Et quand nous parlons de l'époux et l'époux et l'épouse, on peut trouver qu'il y a une relation d'amour entre Christ et l'Église. Parce que entre l'époux et entre moi et ma femme, il y a une relation d'amour entre nous.
eye ne be chon nusu ple esronyonwa okwe be lonlon be kadodore lewo me viadome. Christ et l'église ont une relation d'amour. Ha mi akle yesu a lonlon be kadedere lewo me via. 1 Corinthiens Éphésiens 5 verset 25. Éphésiens 5 Tâton. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Yeah. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, il y a une relation d'amour entre Christ et l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est de la même manière. C'est-à-dire, nous voyons que Christ aime l'Église, c'est son épouse. Il a aimé. Donc, il y a une relation d'amour entre Christ et l'Église. Ntuo mi lon mi asro abe alesi Yesu abe alesi Christo lon hamia eye wotwa dokwi nade eta mi epwena lon lon be kadedere lewo me via me le fia Yesu Christo ple hamia kadedere lewo me nye lon lon pe kadedere lewo me via. Et l'Église, l'époux, l'affection, donc j'ai sauté ici, l'affection de l'Église doit seulement être partagée, ne doit pas être partagée avec autre chose, mais doit seulement être partagée avec Christ. C'est. Alors, c'est. Affection, l'olon. Ah, l'olon. Les filles, et Mindola, Ame Kunde Koko, Vedola Maku, Yesu Christo. Les filles, Ami Avelo, Ami Amadola Mapolo, Kunde Koko, Vala Trena Christo, le Blibunyime. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que vous êtes fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Vous voyez ici, on dit de nous garder parce que il est jaloux de la jalousie de Dieu parce que nous sommes fiancés à Christ et de nous conserver comme une vierge pure. Miel quoi les filles avaient maoué nous papa doda miago be mie zungbetosron na Christo kwa Yesu Christo a e vwana nude mie anube lolon ke mi do la do lolon wana Yesu Christo re kama ganyen nubo mie anwafwe na Christo mie anwagbeji na Christo kokwenye nye fwe gbeji na Christo mi machwa mie anwe lolon alo se la ami a lolon ariko ina marike o Christo kwenye chwe na et l'époux a un seul grand désir que son époux vienne. Donc, nous attendons l'épouse à un seul grand désir et que son époux vienne. C'est que nous attendons l'Église maintenant, qui sommes-nous, que nous sommes, l'Église que nous sommes, nous attendons que notre Seigneur, qui est Jésus, notre époux, qui est Jésus, notre Rédempteur, qui est Jésus, vienne pour nous prendre. Donc, nous attendons le retour de notre époux qui est Christ. Abe Hamenea, miel note, benamias roinenye Christ, miabesnias roinenye Christo ababa, qua midola at anno, midola no, mokokome na Christo, mokokome na Christo, benane wavane, wava aklomi, in yesu inenye miasro, qua hamea dola no. Avant de laisser la parole aux uns aux autres de poser la question, je veux ajouter ceci en même temps. Et l'Église, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans la définition de l'Église, mais nous allons ajouter que l'Église présente deux aspects. Miele Hamiabe. Gomme de diao me comie le voix hafi ma coque bien avena à me venir à la meresia hamia elle a quoi ma ven. Il y a l'église universelle
Hame glodo, hame nenye hame glodo. L'église locale. Hame vitu kui, hame nenye akometo. Sorry. L'Église universelle, c'est tout ce qui appartient réellement à Christ. Que ce soit de l'Église catholique. Que ce soit que la personne soit de l'Église catholique, que la personne soit de l'Église presbytérienne, que la personne soit Assemblée de Dieu, que la personne soit Pentecôte, que la personne soit Adventiste. Je ne sais plus, il faut citer les... Vous pouvez citer, énumérer les églises que nous connaissons. Ces personnes-là qui sont réellement sauvées et qui appartiennent à Christ sont l'Église, c'est ce qu'on appelle Église universelle, appartiennent à l'Église universelle. Maka ehame ben koke catholique yo bog 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 presbyterian be hame yo me kan koke yo ate yo ame yo ho yesu be yoyo e yo ho ese e yo toba gbena yesu christo le nyate pe me e ye o jole vivitime va keke liboa ame mo kata ha Nkode kwekwe kona momo kaka wa yo bena onye Yesu be hame e wa wenye hame glodo. C'est de que Jésus-Christ dit je bâtirai mon église. C'est l'église là que Jésus bâtit. Ame ma oye Yesu le yo bena yebe hame be yatu. C'est ceux qui ont accepté l'appel et qui sont réellement sauvés. Ame yo Oh, Yesu jise, eye amenu veve wobena okpode dia, amemawe Yesu le yobe be hamea. L'autre aspect, l'autre partie, c'est l'église locale. Akpa vegoa yenye, hamea. L'église locale, c'est que nous pouvons dire Assemblée de Dieu. Akpa velenye watema at blobena Assemblée de Dieu. D'accord, hamea jive Assemblée de Dieu. On peut parler aussi de la chapelle internationale. What is my chapelle internationale, John? C'est l'église locale. Emmanuel local, d'accord. Hame vitu kui allo. C'est. Maintenant, quelle est la relation entre les deux? If you are the kadudu kele wa me vea domeo. Hame vitu kui allo. Si nous lisons Galates 1 verset 1 et 2, nous voyons que Paul disait l'église qui se trouvait dans la maison de. On peut nous afficher cela. Galates 1, versets 1 et 2. Paul. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts et tous les frères qui sont avec lui. Avec moi, aux églises de la Galatie. Non, continuez. Okay. C'est moi qui ai mal noté. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai mal noté le verset. Donc, ce verset parle de l'église qui se trouvait dans la maison. C'est-à-dire qu'il a nommé la maison et il a dit l'église qui se trouve dans la maison de. Ça veut dire qu'il y a une église qui se trouve dans la maison où on fait l'église dans la maison. Ça, c'est l'église locale. C'est pour mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'église locale. C'est ça. Mais ce n'est pas l'église universelle. L'église où tout le monde est. Maintenant, je veux parler de la relation entre les deux. Ene male pupu nyaye mi abeti cha glovio be me wo mistake virena pupu ya kakevo anu imejime ma gbla konyi be no be e hame vitu kuye le hame vitu kuya enye hade yo dan koreji la o yu a pe abe nko reji eye watema yo be e hame vitu kuye ema etovo na hame ga. Okay, be globe e hame ikele oyo
L'église locale, il faut, pour être membre de l'église universelle, il faut être membre de l'église locale. Hafi anye hame ga ine le hihia katan wa globe ni enye hame le hame mame dola ni e hame vi nola hame vi chukito nola. Pour être membre de l'église, je vais répéter, pour être membre de l'église universelle, il faut être membre de l'église locale. Hafi ato hame apo anno hame gamea e dola anye hame vitukui nola hafi. Mais tu peux être membre de l'église locale sans être membre de l'église universelle. Vanene make atem anye hame vitukui ame nola gakeva matem anye hame nola gao. Ok. Pourquoi il faut être membre de l'église locale avant d'être membre de l'église universelle? Parce que c'est l'église locale qui forme. Nous, itae atem anye ehame vitukui menola hafi ano hame akpomo le hame game enyebe nuka hame vitukui ye me ahotutudole. C'est l'église locale qui encadre. Et nous amène à la maturité spirituelle. Et hame vitukuya eye latem akperentio anao tutudo anio le ma anio hafi atem achi le maume. Ok, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc la relation entre les deux, il faut être membre de l'église locale pour être membre de l'église universelle. On n'est pas en l'air, on ne devient pas membre de l'église universelle sans passer par l'église locale. Mais tu peux être membre de l'église locale sans être membre de l'église universelle. Mais Jésus, laisse-moi ajouter en même temps, mais Jésus revient pour l'église universelle. Ano ehame vitukui ame vo amate no hame gamu vo de komedi me mana nyabe na Yesu ga yatrova nebe hame akeke hame gai. Ok, merci. Et on nous montre un verset qui nous dit salue les frères qui sont à l'Odyssée et qui l'église qui est dans ta maison. Donc ce verset que j'avais sauté, il a montré un verset similaire qui est qui montre l'église locale dans la maison de Lauro Nymphas. Ekpukwire aye me ngolobe me toji vayi. Wa eye o le defiembe edola o dogbena lodise laudise ple Nymphas hamea ke ole. Hame ine le laudi se ku Nymphas be apeame. Maintenant, je vous donne le temps de poser des questions, de faire des commentaires, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. S'il y a une partie qui n'est pas claire, vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut poser des questions, parce que j'ai beaucoup parlé moi seul. Manotera afia viebe na maho biabiao miaho biabiao kwenya kwenya ola meresia ela benyereka kule interpreta kwelo punpuka kavana vifi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour le développement, que le Seigneur vous bénisse. Dakpena mauma une yurami. Amen. Une petite préoccupation que j'avais déjà soulevée dans ma dernière intervention, mais qui, quelque part, semble ne pas être perçue et se trouve dans son effet revenant ici, quoi.
Medo enyabia se vitu kuire mejibe mawo. Meponuva icha gakewa mekotogado nyavitu kuire me ma agba dedego. Qui est le corps de Christ? Je vais introduire cela par une interrogation et de l'interrogation, je viendrai à ma conclusion. Est partie du corps de Christ toute personne qui est née de nouveau que le Seigneur a sauvé. Yesu benti la mi a de gomebe. Le Seigneur sauve partout. Le Seigneur ne sauve pas que dans l'Église. Le Seigneur sauve beaucoup plus dans le monde. Même dans des pays où il n'a jamais existé d'église locale, le Seigneur sauve des gens au travers de leur cœur dans ces pays. Si on s'en tient à un de ces exemples, de quelqu'un qui est sauvé dans un pays où il n'y a même pas une seule... Et c'est, les cas sont monnaies. Je connais de très brillants pasteurs qui ont reçu l'évangile dans un milieu purement musulman où il n'y a rien, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. C'est le Seigneur même qui allait les rencontrer personnellement pour les amener à la réception du Seigneur Jésus. Pasteur, donc, Matem Aglobena, Ma présentation sur la définition qui est donnée de l'Église universelle, c'est que cela appartient à l'Église universelle. Et n'appartient pas à l'église locale, alors que la conclusion a été pour appartenir à l'église universelle, il faut d'abord appartenir à une église locale, ce qui semble être un peu challengé par ce que je viens de démontrer, en fait, ce que je viens de dire, je veux dire. Mia fofo abe fiye, nwa chakadu elevire enyebe, le mia be tichabe, enu gome dede nwa, ele globe hafi na anye, Gome pola na Yesu Kristo be hame ga e dola nye gome pola anno e hame vitu kuido me inenye hame vitu kio vua ameya oto be nya yo mele glofifia ameya wa watima globena onye gome pola na Yesu Kristo be hame ga inele hihia godwa mele fisia fia we fie e nwa mele sona ele tutu lewa Donc, je voudrais que nous balancions un peu cela. Je crois que les deux relations sont possibles, mais avec différentes définitions. Elle a été vado garde meye vuvu toto vide la no adevu toto vide eme. Et je m'en vais faire une proposition dans ce sens. Eh mais jibe ya so ya gbolonyare alo ya chodo nkume na. On peut être membre de l'Église universelle sans être membre d'une église locale. Si l'on a eu la chance d'être sauvé dans un milieu où n'existe pas une église locale ou quand on était complètement dans le monde, on n'avait aucune relation avec une église quelconque de son environnement avant de venir au Seigneur.
yebenya ye yebiato adoku ya ya so ya de dogo enyebe ulatem anno mon popo ma ulate wa men veve e apo dede yesu kristo ade ene apo ate pomo le chochi game game voa matem ato e hame vichukire peji alo anno hame vichukire mekengbo e anno hame gama me. Mais plus tard, après sa conversion, il faudra rechercher une église locale pour entretenir sa foi. Le Seigneur dit que ne désintons pas nos forums et pour nous réchauffer mutuellement dans la foi, se soutenir dans la foi. Donc, il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Et il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Aji hame vichukwire bene atema no fimane ano tu hose wado le maunya me elabena Yesu Kristo nto biblanto edope egbro na mibe midola ano hame videme afima le novio bo fima emia ano tu le emia zanzan le achi le. Et dans le même temps, on peut appartenir à une église locale sans appartenir à une église, à l'église universelle. Vous voyez, j'ai parlé de une église locale et l'église universelle. Sans appartenir à l'église universelle, en ce sens que le Seigneur dit, ce n'est pas tout cela qui dit Seigneur, Seigneur. Elle avait Yesu Christ on top globe ma metia me le douli le yoya eye kata wo ho ejise alo wa po de de. Il faut pardonner l'interruption. Pardonner l'interruption. Frère Anissé, vous dites des choses très intéressantes, que Dieu vous bénisse pour votre contribution. Mais malheureusement, notre heure est pratiquement épuisé. Pardonnez cette interruption encore une fois. Nous allons continuer demain, lundi, avec cette étude. Donc, s'il reste quelque chose que vous voudrez partager avec nous, mais que vous ne serez pas en mesure de le faire compte tenu des contraintes de temps aujourd'hui, demain, nous allons vous redonner la parole. Encore une fois, merci. J'aimerais demander au frère Sénat de conclure la leçon de ce jour pour les 2 minutes qui nous restent encore. Donc, rendez-vous est pris pour demain. Merci. OK, merci, directeur. Ma conclusion, peut-être moi, je vais donner plutôt la parole au pasteur qui va, s'il a un mot à ajouter pour que et on se retrouve demain à 19h pour continuer. Et il y a encore beaucoup de choses sur l'Église que nous n'avons pas encore fini. Et nous avons annoncé le plan. Il y a beaucoup à dire. Donc, merci si le pasteur a un mot pour finir. Mi ave teacher ro game ata mi anote ro tepe ya mi a talk be sona mi a pastor enya de le ti beji be agbon enya sugbo o le mi da mi da agbon cho ha me anti wa ne ma wude mo a cho otro gandre ho ho a mi a akata mi a no gbe soso be ne mi a ga asron agere nmo me. Surtout, frère Nissé, soyez à l'heure de mai à 19h parce que je vous ai interrompu. Vous allez être la première personne à continuer votre contribution, continuer avec votre contribution demain matin. Plutôt demain soir, alors je vous prie d'être à l'heure pour que tout aille sans couac. Merci beaucoup, mon directeur. Il n'y a pas de souci. Je suis avec plaisir. Soyez richement béni. Merci. Pasteur. Bon, si le pasteur. Ah, le pasteur est là. Okay. Oh non, il n'a pas encore ouvert son micro.
qu'il est en mission ailleurs. Bon, pour ne pas perdre de temps, je peux rentrer en ligne. Merci beaucoup. Une fois encore, nous disons merci à notre Dieu pour... Yo se awa, o ñaña, yo se me quedó. Yo hasta mi amor.